update. Après 12 heures d'autobus, on est rendu à Arequipa. Puis on a loué un Airbnb. Je vais faire un petit tour. C'est vraiment hot. C'est immense. Fait que c'est la porte d'entrée. Fait que quand on rentre comme ça, là c'est la cuisine. Je vais commencer par là. Donc ici, petit couloir. Salle de bain avec douche. Ici, c'est comme la salle de lavage. Puis t'es comme un peu à l'extérieur aussi en même temps. C'est vraiment hot la vue là. Fait qu'on est en partie une brassée de lavage. On sait pas trop que ça va donner. La laveuse a l'air de rusher. Après ça, on vient ici, Eric. Ça là, on a plein de. J'ai tellement humide là. Ah, je sais, il est dégueu là. Fait que là, Eric est en train d'accrocher ses affaires. On a ici une chambre. Comme ça, avec deux lits simples. La vue ici. Ah, tu vois, genre, dans notre affaire. Ça ressemble à ça. Fait que là, par là-bas. Fait que là, si on revient ici, qu'on va où la salle de lavage. Une petite. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils coupaient l'eau aujourd'hui, parce que je sais pas trop. Fait que là, on a peur que le six se fasse pas au complet. En tout cas, ici, on a juste une toilette seulement. Je sais même pas si ça fonctionne. Et on tombe dans la cuisine. Donc, probablement qu'on va juste comme se faire les déjeuners ici parce que, tu sais, si on se fait des dîners ou des soupers, il faut comme tout acheter les ingrédients. Puis après, on reste pris avec. Fait que c'est pas très pratique. On a quand même genre frigidaire, micro-ondes. On a tous les ustensiles, tout équipés si on voudrait faire de la cuisine. Salle à manger. Non, ça va. Salon. Deux divans, c'est quand même cool. La vue ici, c'est en avant de notre. C'est-tu là qu'on a rentré? Moi, je pense que c'est là qu'on a débarqué ce matin. Ok, comme ça. Une télé. Puis après ça, on revient à l'entrée. Par ici, c'est deuxième chambre. Avec divan, lit double. Et salle de bain ici avec douche. Et par ici, walk-in. Là, j'ai comme. J'ai mis mes affaires pour que l'humidité s'en aille. Parce que dans un sac, sérieux, checker ça quand c'est frippé. Là. Mais il y a un refaire à passer là-bas que dans l'armoire. Fait que... Mais c'est ça le problème d'être dans mon pack-sac là, de voyageur, c'est que ton linge, il se frippe vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, c'est vraiment cool. Pour vrai, c'est full immense. Puis la ville de Arequipa, là, ça a l'air comme. Je vais pas te filmer. Ça a l'air quand même une grosse ville. Puis c'est vraiment différent. Là. Il y a comme des montagnes. Oh, je sais pas si on peut voir d'ici. Ah oui, check it. En haut, là, il y a des montagnes avec de la neige. Genre. Fait que c'est quand même weird. Puis. Il y a comme, quand on s'en venait en ville, il y avait des places avec du gazon, des montagnes. Fait que c'est comme un autre genre de climat, là, si on veut. Puis il fait quand même chaud, fait que... Fait que c'est ça, on va se préparer, mais on va aller comme manger. On n'a pas vraiment déjeuné. Il y avait un repas dans l'autobus, mais c'est vraiment pas bon. Fait que on va s'échanger, puis on va aller manger. Fait que on s'en reparle tantôt. Bonjour! Vlog update, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On est rendu à Arequipa après 12 heures d'autobus. Oh, c'était terrible. Oh, puis là, Eric il est vraiment brûlé. Je suis pas capable de dormir. Ben, j'ai l'impression de dormir dans mon lit, dans mes couvertes. Fait que, imagine dans un autobus, puis on s'est fait brasser. Là, oh, ouais, les routes, là. Hey, c'était zigzag. Là, ça, c'était zigzag, puis dans les roches, puis genre, c'est pas des falaises. Là, en tout cas, je pense qu'on a rien vu, là, parce qu'on a pas vu grand chose, vu qu'il faisait noir, là, mais. Fait que là, on est rendu à Arequipa, puis là, on se promène en ville. Fait que. Il fait vraiment chaud. On pensait qu'il ferait plus froid que ça un peu. Mais le soir, ça drop vraiment comme la nuit à 9 degrés. Là. En ce moment, il fait comme 25. Fait que il fait vraiment chaud. On a aussi pris un petit café pour se remettre dedans.
On est vraiment amorphe, là. Puis en plus, ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire. En ce moment, on est à 7700 pieds. D'altitude, genre, fait que petit moment d'adaptation. On dirait que quand que on était dans le Airbnb, on était correct. Puis une fois qu'on est sorti pour venir se promener dans la ville, dans cette ville, genre, on a comme tout pogné un étourdissement bizarre, là, en tout cas. Mais c'est sûr que ça prend un moment d'adaptation, là. Moins d'oxygène, tout ça. Moins d'oxygène. Ben, à 7000. Ouais, pas tant, mais. Faut se préparer pour Cusco qui va être vraiment pire. Cusco va être vraiment plus intense pour l'altitude, là. Fait qu'on a des médicaments pour contrer le mal des montagnes. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer tantôt la Plaza de Armas, qui est le centre de toute Arequipa. Là. C'est vraiment beau. Fait que on se reprend tantôt. Bon matin, la gang! Allô! Il est présentement 8h30, ça? Environ, oui. 8h40. Là, on est en train de faire un petit déjeuner. Puis il fait full beau dehors. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? On a une grosse journée de prévu. Ouais? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est pas trop l'ordre encore, mais on aimerait ça faire comme le Alpaga World, là. C'est comme où ils montent, où ils font la laine d'alpaga, puis on va voir des alpagas aussi, puis tout. On aimerait ça aussi aller voir comme un genre de belvédère sur toute la vue d'Arequipa avec les volcans et tout. On aimerait ça peut-être aussi aller faire une petite heure au musée de la momie, voir une momie, puis ce soir aller visiter la cathédrale la Plaza de Armas. Ouais, donc on est bien occupé, mais c'est comme notre dernière. Ben, pas notre dernière journée, mais. Ah! Les taux sont burn. Tu as trop mis tes hormis une deuxième chute pour ça. Trois chutes. Fait que c'est ça, on a comme. C'est comme notre dernière journée pleine. Demain, il faut quitter le logement pour 11h. Fait que. On prend l'autobus juste à 8. Fait que. Hein? On prend l'autobus juste à 8. Le soir, c'est. C'est plutôt plat. C'est aux éditeurs, on va savoir si vous avez mangé pour déjeuner. Ben ouais. Regardez, c'est comme des cornflakes en fait, c'est pareil. Tu sais, des cornflakes, c'est sûr qu'on va tuer dans la chose, c'est des frost flakes ici. Ouais. Puis ici, on pensait que le café allait vraiment être bon parce qu'ils exportent le café ou je sais pas trop. Mais à date, on a juste bu du instant qui est pas très bon. À part notre cappuccino d'hier. C'est encore pas des cappuccinos qu'on a eu. On a juste bu un. Non? Moi, j'en ai on a bu du latte, on a bu à l'arrêt de bus. Le latte et le cappuccino, pas pareil. Non, mais il était bon aussi. Ouais, il était bon. Et inclus à Agar puis au. Ce qui offre plus de la. Seulement, c'est du café. Mais resto, ouais, c'est du instant. Fait que. On va manger puis on va vous amener avec nous aujourd'hui. Bye! On est présentement dans le petit quartier. On vous a pas vraiment montré la ville, hein, je crois. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, hein? Ouais, quand même. Au soleil, là. Mais c'est ça, cette nuit, ben le soir, il fait froid, mais bon. Là, on est en direction pour aller chercher un café où ce qu'on a mangé de la pizza hier. Excusez. Non, c'est où? On va aller chercher un café. Ouais. Regarde, on va aller chercher un café au resto d'hier. Attention à la nuit, je sais pas si c'est où. Ça va. Fait qu'on s'en va. Et on est allé hier manger une pizzeria. Ici, le monde ne fait pas leur stop. Faites attention quand vous traversez. Pas comme moi qui regarde c'est pas. Genre, c'est qu'elle est en train de vlogger. Ah, c'est ça. Fait qu'on est allé manger une pizzeria hier vraiment bonne, puis elle faisait la pizza dans le four à bois, genre devant nous. Puis on avait vu qu'il y avait happy hour sur les cafés, 2 pour 1. Fait qu'on va aller s'en chercher un. On essaie juste de trouver c'est où. Checker les buildings, c'est vraiment beau. Les apparts modernes. Kekachi. Où ça? J'ai dû piler dessus. Ici, il y a du gazon et du béton, contrairement à Ica. Hein? Du beau béton. Hey, les rues t'en sortent. Ah, j'avoue, hein?
C'était juste le soir, parce qu'il y avait une pizza, il y avait pas de déjeuner. Ben, il y avait un comptoir, c'était un café, là. Il y avait des petits. Ils vendaient des petits muffins à faire la main, je pense. Ah oui, puis là, on a vu souvent hein, sur les coins de rue, même les petits trucks dans jaunes, les, là. C'est des popsicles, hein. Mais dans toutes les villes qu'on a faites, c'est la même compagnie, genre. Checker les cactus. On va aller là-bas. Par là? Donc, vous voyez ici, c'est la Plaza de Armas, donc la place centrale. C'est vraiment beau. Hein? C'est vraiment beau, hein. C'est bizarre qu'il y ait des palmiers, genre. Ouais, palmiers, puis arbres, puis gazon en même temps, genre. On se croirait quasiment au beach. C'est pas vrai. C'est full tranquille, là. Tu peux venir t'asseoir, puis. Check les pantoufles, comment ils ont l'air confortables. Mais hein. Je sais pas, je m'en achète une paire. Hey, Eric, j'ai envie de m'acheter une paire de pantoufles, je pense. J'en ai pas de paire de pantoufles. Non, on parle juste Yann qui parle de paire de pantoufles. C'est correct. Notre premier McDo du voyage, on se sent moins dépaysé. Ça fait du bien, on dirait. À vous, hein. Mais je sais pas s'il va être coûté pareil, là. Ou s'il va être bon. À suivre. Là, on s'en va voir des alpagas pour la première fois. On s'en va l'autre bord de la rue. Ouais, comme Yann a dit, il faut traverser ça. Réussir à traverser. Et shit. On s'en va voir. J'ai failli rentrer dans le cul. Oui, voilà. Ok, go, 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 go. On va-tu mourir? C'est beau. Ok. On a un autre à traverser. 50% de fait. Oh. Ok, après le rouge. Hi! Ouais. Hi! Live, go! C'est juste là. Oui, Yann. C'est ça. Ça, c'est une marque de luxe de laine d'alpaga. C'est genre des vêtements de luxe qu'ils font. Tu sais, genre, disclaimer ici, là. Juste vous dire que, genre, les animaux sont pas maltraités, là. Genre, ils sont juste. Leur pelage est tondu. Non. Ouais. Et tond. En tout cas. Parce qu'à un moment donné, ils en ont juste trop, là. Ils ont pas le choix de faire la tonte de leur pelage. Puis avec ça, ben, ils font tout à la main des tricots, là, les petites madames. Genre, c'est le même qui font leur argent, là. Fait que. Suivez-nous. Suivez-nous. C'est beau, ça, ici. Oh, ils sont tellement cute. Tout soumis, ouais. On voit pas grand-chose. On peut pas aller les voir, mais. Mais qu'on soit au Machu Picchu à Cusco, là, on va en avoir plein des sauvages qu'on va pouvoir voir dans les montagnes plus plates. Le noir, il est vraiment beau, hein? Le blanc, il est cute. Il est sale, surtout. Il y a une longue robe. Il y a un poncho. Ah, il s'en vient-tu nous voir? Oh! Ah, il s'en vient! Oh, oh mon dieu! Ah, c'est ça. Ils sont tellement cute. Eh mon dieu, il est... Attends, mais ça crache, hein, ça? Oui, les lamas qui crachent pas les alpagas. Mais allô, les amis? Allô? Oh, ils nous donnent la nourriture. Oh. Ah, ami, je pense qu'il veut que tu y en donnes. Gracias. C'est moi. Gracias. Oh. Je vais nourrir les petits noirs. Qui sont les amis noirs? Où d'où, toi? Lui, on dirait un mouton, il est frisé. Ah, il a des grands yeux, hein? Sont beaux! Ouais, attends! Hey, c'est motoneux, ça? On dirait un mouton, lui. Son pelage. Il a plus de 5 minutes. Tiens, peux-tu te l'aider à manger? Viens ici! Check ses dents! Check les! Ses dents! Ils sont pas belles, hein? Il est le même. Hey, l'autre, lui, m'a bavé dessus sur la moyenne étale. Oh. Il est plus, là. Il est fini. Fini! Check le bras. Yann, il te ressemble, lui. Tu veux t'en donner? J'ai trop de tiens, Yann. Il
vais prendre des photos. Oui, ok. Check ça. Oh, ok. Yann, veux-tu nous expliquer ce que ça dit? Un peu, je suis d'accord. Il explique que la première étape, c'est de l'enlever. Enlever, ouais. Après ça, c'est laver délicatement la main avec de l'eau et sécher naturellement, sans force de ventilation. Mm. Fait qu'il n'y a pas de sacheur, pas de sacheur ici. Okay. Fait que ils sortent en classe. C'est fait manuellement par la fibre, de où est-ce qu'il vient, le grade, la couleur, la longueur du fibre. C'est des femmes qui font ça. Experts. Oui, qui ont été entraînées, puis qui font ça avant même la conquête par les Espagnols. Ça peut pas être fait mécaniquement, puis parce que ça prend la dextérité des mains et des yeux. Mm, ouais. Je capote les jeunes qui sont ici. Y en as-tu? En as-tu de la laine? Ça, c'est toute la couleur naturelle des alpagos. Ouais. Une fois qu'il est étrié, il va quand même une méchante jeune. Hein? Fait que petite activité gratuite, vraiment le fun, là, on vous le conseille fortement. Comment ça s'appelle déjà, Yann? Mondo Alpaga. Mondo Alpaga. Genre proche de la place centrale. Fait que c'est gratuit. Puis une belle petite activité, là, une petite heure. Là. C'est fait, là, les chandails, les laines, tout. Tu vois comment que, c'est trié toute la laine d'alpaga. Fait que, ouais, ça vaut la peine, là. Si vous êtes à Arequipa. Regardez la vue qu'on a. On pense, on avait dit que c'était un volcan. Pas mal sûr. Pas mal sûr, moi aussi. On s'est pas informé. Ça a l'air vraiment bon. Bon appétit! Bon, donc, update de vlog. Attention de faire là, c'est trop beau. Ah ouais, j'aime. Comme ça, vlog update. Vlog update. On est allé voir un musée. C'est quand même impressionnant, hein? C'était traumatisant un peu, genre, c'est vraiment sur l'histoire de, comme, les Incas pis tout, là. Fait que ça s'appelle... Attends, là, c'est le Museo Santuario Andinos. Andinos. Donc, c'était vraiment intéressant pis c'est populaire pis c'est comme... Ils ont trouvé comme dans les montagnes au Pérou, genre des petits enfants enterrés, morts. C'était, ils faisaient ça comme un rituel, là, comme des enfants de 5 puis 16 ans, je pense. Puis dans le musée, il y en a une qui était comme à 6 mètres dans les airs, fait qu'elle était comme d'altitude, elle était comme super bien conservée vu qu'il faisait sécher. Elle est comme gelée, ouais. Fait qu'on a pu la voir, c'est quand même. C'était traumatisant, vrai, ouais. J'étais pas bien pour vrai, là. C'était bizarre, là. Mais. Là, on s'aligne pour aller faire une autre visite. On s'en va visiter. La cathédrale. Oh! Plus de batterie. Ok, bye. Fait qu'on vous reparle peut-être tantôt, on a plus de batterie. Bye!